C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Et parfois, j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Et quelquefois, j'ai des maux de cœur. Le poumon. Et des coliques dans le ventre, enfin, des mal dans le ventre, comme si c'était des coliques. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, non, je ne veux point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose, ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Quoi? Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit », c'est de la prose. Oui, monsieur. Parfois. Voilà 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Ma sœur, s'il vous plaît, ne discourons point tant et que chacun de nous vive comme il l'entend. Bien que des ans sur moi, vous ayez l'avantage et soyez assez vieille pour devoir être sage, je vous dirai pourtant que mes intentions sont de ne prendre point de vos corrections. C'est bizarre, non? Oui. C'est toujours un peu spécial de chatter avec quelqu'un qu'on connaît pas pendant des heures et puis de le rencontrer après. Ça fait tellement de bien de pouvoir discuter avec quelqu'un qui partage la même expérience que moi. Parce que franchement, je me sens seul. Je sais. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'en parler avec toi, puis avec d'autres gens sur les forums. Ça me donne l'impression que ma galère sert à quelque chose. Ça prouve que tout est possible. Un jour, peut-être, Gabriel et moi, on pourra aussi montrer la photo de notre enfant. Mais bien sûr que vous le ferez. Un jour, tu seras à ma place, et un autre prétendant à l'adoption sera à la tienne. J'espère. Oh, et t'es sûr qu'il n'y en a pas qui tombent enceintes juste pour se faire de l'argent? Ça, c'est le cas des mères porteuses. Et personnellement, je ne cautionne pas ce mode d'adoption. Et l'association Sol Schrader non plus. Bon. Non mais, je comprends que vous soyez méfiant. Hein. Moi aussi, au début, je me suis posé les mêmes questions que vous. Mais je vous assure, cette assoce ne donne pas dans le trafic d'enfants. Parce qu'elle est née à quelle date, déjà? Écoutez, je comprends pas. Vous voulez qu'on parle de ma fille ou de l'association Schrader? Ça vous gêne de me répondre? Ah, pas du tout. Marjane est née le 3 mai. Vous venez de me dire qu'elle était arrivée chez vous en juin 2012 et qu'elle avait 3 semaines. Ça ne colle pas vraiment. Vous partez? Bon, écoutez, je n'aime ni vos questions ni le ton que vous employez. J'ai l'impression de passer un interrogatoire, là. Et moi, j'ai rien à me reprocher. Au revoir. Salut. Salut. Ça va, vous? C'est plutôt à toi qu'on devrait poser la question. Il paraît que notre avocate t'a fait peur. Ah, elle vous a raconté. Ah, qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'aime pas qu'on fasse chier. Surtout sur ma vie privée. Non, mais elle avait juste besoin de vérifier si t'étais quelqu'un de confiance. Elle a juste peur qu'on se fasse avoir, c'est tout. Bah, elle aurait dû m'en parler franchement. Ça aurait été plus simple. Mais là, elle a essayé de me tester en douce et moi, j'ai pas aimé. Mais si vous préférez, on arrête tout, vous savez. C'est pas un problème. Mais on arrête tout, c'est-à-dire? Je demande à Sol de vous rembourser. Bah non, absolument pas, pourquoi? Non, mais mettez-vous à ma place, les gars. Moi, je fais du bénévolat, alors... C'est pas pour me faire agresser ou accuser de je ne sais quoi. Non, mais on a compris. T'inquiète pas, on va parler à notre avocate. Oui, sauf qu'il y a quand même un problème. Elle a pas d'assurance santé, elle a pas d'argent, donc il faut qu'elle travaille. Non, mais si elle fait ça, elle mettra la vie du bébé en danger. Mais elle a pas le choix. Elle a personne pour l'aider, là-bas. Et le versement de 20 000 euros qu'on a fait, il peut pas servir à ça? Mais non. Ça, c'est pour la procédure d'adoption et les frais d'accouchement, tu sais bien. Je suis sur le point de faire quelque chose que je devrais pas, là. C'est-à-dire? Saul m'a envoyé un dossier ce matin. C'est une jeune Californienne, enceinte de 6 mois. Elle a déjà eu 3 enfants très tôt et elle veut pas du 4e. Elle veut le faire adopter? Ouais. Je suis intéressé. Si tu peux virer 40 000 euros très vite, je bloque le dossier et je dis à Sol que j'ai trouvé les parents. J'en parle à Mathieu, je te rappelle dans la journée. Monsieur Michaud a vendu le même bébé à 3 couples différents en Europe. T'es une belle saloperie, hein. J'ai arnaqué des homos comme des hétéros, si tu veux. On s'en fout, c'est pas le problème, tu joues avec les rêves des gens, tu détruis leur vie. Ça va, faut pas pousser, j'ai tué personne non plus, hein. Et puis si vous voulez avoir un enfant, essayez d'être moins naïf, hein. Connard, putain! On se calme là, on s'assoit!